Mon fils et moi, il avait 7 ans. C'est de ma faute. Ça existe, des miracles. Je t'ai essayé pour un deuxième gars, puis t'as encore raté ton coup. Faites une demande pour un psycho-éducateur qui l'accompagnerait en classe. Tu t'enlises. Tu vas faire quoi, là, demain? Tu vas rester ici toute seule, là, en m'envenant? Y'a pas un gars qui accepterait ce que je vis, là! Pas un! J'essaie juste de survivre! Je reste dans la ville, les sonnes des filles. Tu pourrais te penser et essayer au moins de rester avec nous. Fois, maman! Guillaume! Il y a quelqu'un qui l'a pogné! Un homme qui souffre, c'est pas toujours raisonnable. Mais je m'inquiète vraiment pour toi. T'es pas toute seule à avoir perdu un enfant. Vous pourriez installer vos affaires quand? Je sais pas si je vais rester aussi longtemps. Ou... David a une âme de missionnaire. Il accepte d'héberger des femmes sans abri. Ça a pris du temps, mais tu finis par te dégeler. Allez, 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 allez! J'ai eu peur. Écoute, maman, reviens jamais.